Alors, faites moins de bruit parce que j'ai lancé l'enregistrement. Donc, on va. Ceux qui ne sont pas là pourront re-suivre le truc. Voilà, please. Libère la bande passante. Déconnecte-toi. Trop bande. Tu dis quoi? C'est lent. Bon, c'est pas grave. Trop bande. Tu peux sortir. Hein? Est-ce que tu peux sortir de la réunion, please? Bon, reste quand même là, tu me sers de témoin. Coupe le son. Où tu mets les écouteurs? Ok. Est-ce que vous voyez mon ordinateur? Coupe ton micro et tu mets les écouteurs pour ne pas que le son fasse une boucle. Est-ce que tu vois mon ordinateur? C'est bon? Est-ce que tu vois mon ordinateur? J'ai partagé mon écran. Tu vois ma souris tourner? D'accord. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je fais quoi? Ok, Keren, tu es là? Keren? Allô, Keren, est-ce que tu me reçois? Oui, monsieur, je vous Ok, écoute. super. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de faire? Oui. Je fais quoi? Vous êtes dans fichier. Là, vous êtes rentré dans Word. Très bien, ok. Donc, tu me suis. Ça marche. Donc, tu peux suivre le truc. Ok. Bien, donc nous allons traiter quoi? Je veux prendre très rapidement un des éléments que j'avais envoyé là, ce qui était un peu compliqué pour vous à faire. Alors, il y avait ceci, il y avait ça. On va refaire un peu celui-là aussi. Et après, on va travailler sur... Non, ça, c'est facile à faire. On va, voilà, celui-là aussi. Voilà. Je sais que ici, il y a quelques éléments qui n'étaient pas faciles à faire. Voilà, ça par exemple. Voilà, on va refaire ça ensemble. Et puis, je pense qu'il y en a qui se sont battus un peu pour avoir ça. Il y en a qui ont fait, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient pu faire la chose de manière simple et directe. Donc, on va travailler sur ces deux-là. Ça va nous prendre le temps nécessaire pour les réalisations. Bien, très rapidement, on va voir deux, trois petits trucs. Comment insérer une zone de texte pour écrire un titre ou bien juste une information quelconque. Donc, pour insérer une zone de texte, il faut aller sur l'onglet insertion. Donc, parmi les différents onglets qu'il y a là, l'onglet qui doit nous intéresser, c'est insertion. Donc, si je vais sur insertion, sur toutes les options qu'il y a dans l'onglet insertion, c'est le groupe d'options texte que je dois chercher. Donc, je prends le groupe d'options texte qu'il y a là. J'ai ici zone de texte. Je clique. Il y a la zone de texte simple, donc standard, et il y a les autres formats. Donc, si je défile là, vous allez voir qu'il vous propose différents formats de zone de texte. Donc, s'il faut que je prenne une zone de texte simple, c'est la première. Donc, admettons que je veux faire juste un titre dans une zone de texte et m'amuser à faire un peu de la mise en forme. Je clique là. Voilà, et là. Supposons que le titre que je veux mettre, c'est Révision TP Word. Révision TP Word. Voilà. Du 10 mai 2021. Donc, je peux m'amuser à faire quoi? À mettre le titre en gras, comme ceci. Je peux le centrer. Je peux augmenter la taille en venant sur l'option taille de police ici. D'accord? Je peux, alors ici, dès que j'ai créé une mise en forme, j'ai deux objets.
deux objets, c'est-à-dire j'ai le texte et puis j'ai le cadre qui contient le texte. Donc, je peux appliquer des mises en forme sur le texte qui est dans le cadre, tout comme je peux appliquer des mises en forme au niveau du cadre seulement. C'est bon? Donc, ça fait deux éléments en un. Avec le texte, je peux appliquer quoi comme mise en forme? Je peux changer la couleur du texte, je peux changer le style, je peux changer la taille. Voilà. Avec le cadre, je peux faire la même chose. Je peux faire un remplissage, je peux changer les traits en augmentant la taille des traits ou le style des traits, je peux changer la couleur, je peux mettre des ombres, je peux redimensionner, je peux changer la forme pour qu'il soit circulaire et comme ça. Donc, on va essayer de faire un peu tout ça. Ce texte, il est en noir. S'il faut que je le mette en rouge ou en bleu, je sélectionne le texte. Je viens sur le front de couleur ici. Ça, c'est pour la couleur du texte. Donc, la lettre A, ici, avec cette coloration en bas, c'est la couleur à appliquer sur un texte. Maintenant, il y a aussi le seau de peinture. Le seau de peinture, c'est une mise en forme pour la couleur à appliquer sur un objet différent d'un texte. Donc, si je viens ici, je prends sur le rouge, vous voyez là, le texte est passé en rouge. Si je veux le mettre en bleu, je viens ici, je peux prendre du bleu. Jusqu'à là, tout le monde est au même niveau. Probande, c'est bon, tu suis, ça va? Allô, Probande? Non, Keren. Keren, c'est bon, tu suis? Oui, monsieur, je suis. D'accord. Est-ce que Karl s'est connecté? Il est connecté? Pas encore? Bon, c'est pas grave. Il va suivre la version. Alors, le cadre. Avec le cadre, je peux faire un remplissage. Je peux faire un remplissage jaune, par exemple. Donc, si je fais un remplissage, ce qui m'intéresse, moi, c'est le saut de peinture. Donc, je clique là, par exemple, sur la flèche qui est à côté. Généralement, sur la plupart des options d'action à appliquer, vous allez avoir une petite flèche qui vous permet d'avoir les sous-éléments. Donc, je peux faire un remplissage jaune. Ouais, un remplissage jaune. Et que là, le remplissage s'est appliqué dans une certaine partie de la zone de texte sans faire le plein complet parce qu'il y a encore du blanc ici. Je vais annuler. Je veux changer la manière de faire. Admettons que je prenne ça là et que je parte sur l'onglet format. Sur l'onglet format, si je prends remplissage ici, je prends le même jaune. Là, il a fait du jaune plein sans blanc. D'accord? Je peux changer la forme du contour. Voici le contour est là. Le contour, c'est le pourtour du cadre. Pour le moment, il est noir. Il est tout petit, on arrive à peine à le voir. Je peux augmenter l'épaisseur. L'épaisseur, je peux aller jusqu'à 6. Il y a la différence. Je peux changer la couleur du contour en revenant au même endroit. Je prends une couleur ici, je prends du bleu. Ou on peut s'amuser avec les couleurs de l'école. Je prends du vert. Et ce texte-là, le noir, il passe mieux sur du jaune. Je peux le mettre en noir. Voilà. C'est bon, vous voyez quelque chose? Je peux faire que le contour de la zone de texte soit en trait discontinu. Donc, pour changer la forme, je repars sur l'onglet format. Je cherche l'option contour ici. Je clique et je viens sur ici, tirer. Donc, tirer, c'est un peu le style. Donc, si je prends ça, ça ou ça, vous voyez ce que ça donne? Voilà, je prends ça. J'ai juste changé le style du contour, très discontinu et autres. Maintenant, avec vos yeux, est-ce que vous arrivez à remarquer quelque chose? À ce niveau, vous n'allez pas trop bien voir. Je vais élargir un peu là. Que remarquez-vous? Quand je tire, le texte ne bouge pas. Il est fixé en haut. C'est dû à quoi? À l'option d'alignement. Les options d'alignement peuvent faire que le texte, soit il est en haut, soit il est au milieu, soit il est en bas. Il y a aussi la gauche et la droite. Donc, si vous combinez la gauche et le haut, il sera où? Là. Il sera à gauche en haut. On peut faire à droite en haut. On peut faire en bas à gauche. Tout comme en bas à droite.
C'est bon? Donc là, qu'est-ce que je veux essayer de faire? Si je veux que ce texte soit au centre, il faut que je aille dans les options d'alignement pour le mettre au milieu. Donc, je vais essayer de le chercher. Je commence ici. Là. Ici, j'ai quoi? Ça, c'est les options d'interligne. Donc, ça ne va pas trop me servir. Donc, je vais aller dans format. Je vais aller chercher dans format. Si j'ai cette option ici, voilà, alignement de texte. Si je viens dans alignement de texte ici, je clique. Vous voyez, là, il est en haut. C'est OK sélectionné. Si je prends bas, milieu, allez, pas ce milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment, même si j'élargis le cadre là, lui, il va toujours proportionnellement rester au milieu. Maintenant, si je reviens là, sur alignement de texte, je prends bas, ben, le gars, il va en bas. Même si je monte ou je prends la partie du haut, je descends, lui, il reste en bas, il ne bouge pas. Parce que je l'ai dit de rester en bas. Donc, à ce niveau-là, c'est à vous de jouer. C'est bon? Est-ce que jusqu'à là, tout le monde est au même niveau? Question? Ça va? OK. Bien, on va toucher autre chose. On va essayer de changer l'orientation de ce texte. Admettons que je veux que ce texte s'affiche verticalement. Donc, verticalement, en lecture couchée ou en lecture debout. Pour le faire, je dois être dans l'onglet format et je veux me servir de l'option orientation du texte. Donc, si je viens dans orientation du texte, j'ai horizontal, c'est la position de laquelle est le texte actuellement, mais je peux faire pivoter tout le texte de 90 degrés. Donc, si je prends ça, vous voyez, ça a pivoté. Il me suffit de faire ceci et de réduire ici pour avoir quelque chose qui tient la route. Donc, je vais essayer un peu d'élargir ça comme ceci. Voilà. Donc, je vais dézoomer pour que vous puissiez mieux voir le truc. Voyez ce que ça donne? C'est bon, vous voyez le résultat qu'on a? Je peux repartir ici. J'ai l'autre sens de pivotage. J'ai le pivotage à 270. Donc, par là. Donc, si je le prends là, voilà. Là, on va lire plutôt du bas vers le haut comme ça. Dans l'autre sens, on lisait avec les yeux des gauchers. Hein. Vous connaissez les yeux des gauchers? Les yeux des gauchers, c'est comme ça. Les yeux des droitiers, c'est comme ça. Parce que nous, on écrit comme ça. Le gaucher, il écrit, je ne sais pas. Peu importe. C'est bon? Tout le monde a compris ici? Donc, ça peut vous être utile. Parce que des fois, on peut être amené à faire un fichier où on a des textes écrits comme ça, comme ça, comme ça. Bah, ce sont juste les options d'orientation. Orientation et alignement. Tout se joue là. Orientation et alignement. Donc, si vous savez bien les utiliser, vous allez toujours vous en sortir. C'est bon? Est-ce que jusqu'à là, tout le monde est au même niveau que moi? Je peux avancer? Ok. Bien, lui, on va le garder là. Je veux le dupliquer. Comment faire pour dupliquer un élément pareil? Donc, une zone de texte avec du texte à l'intérieur. C'est très simple. On peut dupliquer en utilisant la souris. Je sélectionne l'objet. Je fais un clic droit dessus. Copier. Je clique à côté et je fais coller. Voilà. Là, j'ai dupliqué. J'en ai deux. Exactement la même chose. Une autre personne aurait utilisé le raccourci clavier. Je sélectionne la forme. Avec le clavier, je fais le raccourci CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Voilà, j'en ai deux sans utiliser la souris. C'est bon? C'est plus rapide de le faire comme ça. Généralement, je vais plus vous encourager à travailler avec, avec le clavier, avec les raccourcis clavier. D'accord, ok. Peter, s'il te plaît, fais un message à K. Dis-lui, ce n'est pas grave. Il pourra recevoir la vidéo plus tard. Parce qu'il m'a dit qu'il a un problème de connexion à ce niveau. Ok, donc on va ramener ce texte-là dans la portion initiale pour faire autre chose. Alors, je vais dans format. Je le sélectionne. Je vais dans format.
je change d'orientation. Voilà, je reviens ici et je gère mon objet comme... Alors, je peux le ramener là. Je peux le ramener là. Celui-là, je vais le réduire un peu pour faire de la place. Okay, comme ceci. Voilà. Keren, c'est bon, tu es toujours là? Oui, je vous suis. Très bien. Okay. Tu es sur un ordinateur ou sur un téléphone? Sur un téléphone. Ok, c'est pas grave. Au moins, tu pourras recevoir l'enregistrement. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec cette zone de texte? Je peux appliquer de l'ombre. L'ombre, c'est quoi? C'est donner comme une impression que l'objet n'est pas posé sur un support, quoi. Voilà, c'est comme si voilà, ça flottait. Donc, où est-ce que je trouve l'ombre? Toujours sous l'onglet format. Donc, je viens sur l'onglet format ici. J'ai plusieurs éléments là. J'ai plusieurs éléments ici. Allez, je vais les chercher ici sur effet. Voilà. C'est juste en dessous de remplissage et contour. J'ai effet ici. Donc, dans effet, j'ai plusieurs éléments. J'ai l'ombre, j'ai des reflets, j'ai de la lumière, j'ai des bordures adoucies, j'ai du biseau. Voilà, biseau, ça donne un peu un effet machin. J'ai rotation 3D. Donc, si je veux donner comme un effet de 3D, basculer à gauche ou à droite, alors je peux m'amuser à ça ici. Nous, on va prendre l'ombre. Alors, on va prendre l'ombre et on va prendre celui-là. Ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Et l'ombre a deux sens. Il y a l'intérieur, donc ça s'applique dans le cadre, et à l'extérieur du cadre. C'est bon, vous comprenez? Emmanuel? L'ombre à l'intérieur. À l'intérieur, c'est-à-dire que tu as l'impression que le texte est un peu loin de son cadre, mais du dedans. Étant de l'extérieur, ça donne l'impression que le cadre lui-même, il n'est pas sur la feuille. Il est un peu en écart de la feuille. C'est bon? Donc, interne, externe. Donc, deux fois, quand vous allez travailler, ça va dépendre de l'objectif que vous l'atteignez. Voilà. Dans cette position-là, vous ne voyez pas trop bien l'ombre. Je vais enlever le contour. Je fais sans contour. C'est bon? Là, tu perçois mieux l'ombre. Donc, voilà ce que vous pouvez déjà faire avec ce dernier. Maintenant, je veux m'amuser encore à faire autre chose. Admettons qu'on vous demande de faire deux textes superposés, l'un sur l'autre. Genre, révision TP Word sur le premier objet, donc sur la première zone de texte. Si j'étais sur Photoshop, j'aurais dit sur le premier calque, d'accord, mais si on parle des zones de texte, donc sur la première zone de texte, je peux écrire révision du TP Word, je le mets peut-être en vert, et celui d'en bas, je mets la date, je peux le mettre en jaune, et je peux ajouter du rouge en disant avec les étudiants 2, mais je peux les mettre voilà, les uns sur les autres d'une certaine manière. Comment je fais cela? Donc, je vais d'abord dupliquer cette partie-là. Voilà, je prends ça, je duplique. Ici, je veux juste garder le texte révision du TP Word. Je vais mettre ça là. Okay. Je vais le mettre en vert. Je vais faire un peu le drapeau congolais. Non, pas ça. Je veux du vert plein. Je viens ici dans remplissage. Voilà, avec du vert. Alors, je veux aussi vous apprendre quelque chose. Et le goût des couleurs et le sens de la combinaison des couleurs. Franchement, s'habiller en noir avec du violet, je ne sais pas si ça donne. Noir, violet, franchement, ça fait bizarre quand même. Hein? Oui, mais ça fait quand même bizarre. Ou tu mets du vert avec du violet. Un vert-violet, ça franchement... Donc, imaginez-vous quelqu'un qui me fasse une zone de texte avec un fond vert et un texte violet, surtout si les deux sont foncés ou si les deux sont clairs, c'est chaud. Ce que je recommande souvent dans l'utilisation des couleurs pour faciliter la lecture,
c'est une couleur foncée avec un texte clair, ça passe facilement, ou l'inverse. D'accord? Du blanc sur du noir sur du blanc, ça passe. Du jaune sur du noir sur du jaune, ça passe. Du bleu sur du blanc sur du bleu, ça passe. Mais avec le violet, si vous prenez un violet clair qui tend plus vers du rose avec du blanc, en lecture, ça peut faire très mal aux yeux. En vêtements, ça peut aller. Mais en texte, ça peut être bizarre. Mais un violet foncé avec du blanc, ça va. Ça peut ne pas déranger. C'est comme le rouge. Rouge foncé, blanc, OK. Et rouge clair, avec du jaune clair, on peut avoir du mal à lire. Mais si les deux sont foncés, bon, plus ou moins, ça peut aller. Donc, faites attention quand vous allez vous amuser avec les couleurs. Sinon, je veux tout en vous critiquer. Donc, oh là, vas-y. Alors, je veux prendre du vert foncé ici. Je préfère avoir du vert foncé, vert foncé, vert foncé, vert foncé. Allez, donne-moi du vert foncé. Je prends ce vert-là. Bon, c'est clair à votre niveau. Chez moi, ici, c'est foncé. OK, voilà, ça, c'est bon. Alors, ici, je vais prendre du jaune. Donc, je vais prendre la date du 10. Après, je vous explique le principe. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire? Alors, là, je viens de mettre le jaune sur la bande jaune, sur la bande verte. Admettons qu'on me demande de le faire passer derrière. Comment je fais? Parce que là, selon l'ordre de création, la deuxième est sur l'autre. Si je crée une autre, je la mets en rouge. Celle-là, par exemple, je vais la mettre en rouge. Je vais la mettre en rouge avec un texte blanc. Classe L1. Ouais. J'ai créé d'abord le vert, il s'est mis derrière. Quand j'ai dupliqué le vert pour avoir un deuxième élément, ben le jaune s'est mis sur le vert. Le troisième, il s'est mis sur le deuxième. Maintenant, on me demande d'inverser, de faire que le vert il soit en premier, le jaune en second et le rouge en dernier. Je veux juste m'amuser avec les positions. Ici, là, non, pas ça. Ça, les options avancer, reculer. Donc, si je sélectionne le vert, par exemple, je commence par le vert. Je sélectionne le vert, je veux qu'il soit le plus devant possible. Je viens sur format, j'ai avancé ici. Donc, voilà, là, il est passé sur le jaune. Je peux le prendre, je peux le mettre au premier plan. Mettre au premier plan, là, il est sur les deux. Voilà. C'est bon, on voit la différence. Si je veux que le rouge il parte derrière, je sélectionne le rouge. Je viens sur format et je fais l'option reculer. Et je vais mettre à l'arrière-plan. Et là, je peux m'amuser à les décaler comme ça. Oui, je le mets là, tout en sachant qu'il est derrière, en fait. Donc, lui, c'est la suite de ce qui commence. Voilà, et celui-là, je peux le mettre ici. Donc, si on vous demande de les inverser, voilà, vous vous amusez. C'est bon? Par exemple, on va faire un cas beaucoup plus pratique. Je veux voir quelque chose là rapidement sur Internet qu'on va essayer de faire. Je veux prendre quoi? Je vais aller sur... Allez, je vais aller sur le navigateur, OK. Je veux prendre... OK, SIG. Je vais écrire SIG. Ici, je vais sur l'image, système de gestion d'informations. OK, oui, ça peut faire l'affaire. Voilà, ceci. Ou bien cela. ERP logiciel. OK. Voilà. Je cherchais très bien. Je cherchais un truc comme ça. Voilà, celui-là, par exemple. Admettons qu'on me demande de reproduire ça sur Word. OK, admettons.
Ça va arriver un jour, hein? Admettons, où est-ce qu'elle est? Voilà, ça. On vous demande de reproduire cette figure. Voilà, cette figure. Sur Word. C'est facile à faire. Ici, pour pouvoir superposer les formes qui sont là, vous devez penser à reculer, avancer, reculer, avancer. À la base, ici, c'est quelle figure qu'on a? C'est du cercle. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 3, 8, 6, 6 figures. Vous avez 5 cercles que vous allez redisposer. Et puis le deux dernier, ou bien le premier, vous le mettez au devant de tout le monde, au premier plan. Après, vous mettez votre texte calmement. Donc, on va essayer de le faire. On va faire juste les cercles. Les éléments pointus, on pourra les faire après. Il y a plusieurs manières de le faire. Donc, je vais juste prendre ça. J'ai juste besoin de ça. Ben non, je vais prendre tout ça. J'ai juste besoin de ça. Okay. J'emmène ça sur Word et on va s'amuser à réaliser ça. Donc, je crée un nouveau fichier Word pour avoir plus d'espace de travail. Alors, comment on crée un nouveau fichier Word? On peut le faire avec le clavier, tout comme avec la souris. Avec la souris, de là où je suis, je fais fichier, je fais nouveau. Fichier nouveau et je crée un nouveau fichier Word. Très facile. Donc, je vais faire nouveau là. Document vierge. Et voilà, j'ai un document vierge. Avec le clavier, je fais une combinaison CTRL-N. Donc, la touche CTRL du clavier, c'est écrit CTRL, c'est ce qu'on appelle CTRL. Je maintiens la touche CTRL, je clique sur la touche N. Ça me crée un autre fichier Word. C'est bon, vous avez compris? Okay. Je colle l'image, voilà. Voici ce que j'ai cafouillé, ce que j'ai pris tout à l'heure sur Internet. On va essayer de reproduire ça ensemble. Donc, j'ai 5 cercles de couleurs différentes. Je vais le déplacer un peu, le mettre un peu plus à gauche ici. Je mets là. Donc, ma version copie, je vais la mettre de ce côté-là. Donc, j'ai à la base 5 cercles. Donc, les cercles ici, ce sont des formes. Ça peut être des carrés, des triangles, des rectangles, peu importe. Comment je fais pour insérer une forme? Que ce soit un cercle, un carré, un triangle. Je vais sur l'onglet insertion. Donc, au niveau de l'onglet insertion, j'ai le groupe forme ici. Je clique sur forme et je choisis la forme que je veux. Donc, ce que j'ai ici, je peux prendre des cercles, donc ovales. Sinon, je peux prendre ça, 3D drop. Donc, c'est un cercle avec un petit point. On ne va pas le prendre. On va prendre du cercle simple et on va travailler sur ce cercle-là. Donc, je prends ça, par exemple. Si je le dessine directement, rien qu'avec la souris, ça me donnera quelque chose d'ovale. Pour qu'il soit vraiment circulaire, il faut que je sois assez bon géométriquement avec mes yeux et ma souris. Donc, je peux facilement louper un cercle et me faire un œuf. Mais si je veux à tout prix avoir une forme circulaire, après avoir choisi ici la forme, lorsque je veux dessiner, j'ai besoin de faire une combinaison. Combinaison d'une touche du clavier et de la souris. Alors, quelle touche du clavier je dois maintenir pour avoir un cercle parfait à tout prix? Sur le clavier, il y a une touche qui s'appelle Shift. Donc, la touche Shift, c'est une touche très stratégique pour ce genre de figure. Je maintiens la touche Shift. On en a souvent deux sur le clavier, à gauche et à droite. C'est symbolisé par une flèche qui regarde vers le haut. Je maintiens la touche Shift, comme ça, enfoncé. Et je prends ma souris, je dessine. Ici, là, peu importe ce que je ferai, j'aurai un cercle parfait. Veux ou veux pas, j'en aurai. C'est bon? On se comprend? Ok. Donc, je vais faire la première. Je lâche, je peux lâcher ma touche Shift, c'est bon. Donc, je vais dupliquer. Donc, la première, je lui donne la couleur qui est là. Donc, le rouge, là. Je viens là. Je veux chercher le rouge. C'est pas mal. J'enlève le contour. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Voici le premier. Je vais le réduire un peu. Je le duplique avec le raccourci CTRL-C, CTRL-V. Je donne la deuxième couleur. Je viens ici.
c'est quelle couleur? C'est un bleu qui tend vers du vert. Un bleu qui tend vers du vert, non pas celui-là. Bon, je vais aller dans autre couleur. Voilà, ici, c'est sûr que je vais l'avoir. Allez, je m'amuse un peu. Là, là, là. Ça, c'est bon? C'est un peu foncé? Ça va, on peut aller? Voilà. Sinon, vous pouvez passer votre temps à chercher. Techniquement, il y a un moyen de prendre cette couleur. Il y a souvent ici ce qu'on appelle un pinceau, non, une pipe. Sauf que là, il n'est pas activé. J'ai une possibilité avec la pipette. Il y a un objet qu'on appelle pipette qui te permettrait de capter exactement la couleur qu'il y a là et de la voir. Sauf que là, il ne s'affiche pas. Je n'ai pas de pipette ici. Donc ça ne me permet pas de récupérer ça comme il se doit. Pas la pipette. Quelqu'un a la pipette sur son ordinateur? Ici, là. Vous savez encore sur une pipette, non? Hein? Ou je parle à des aveugles? Ou à des sourds? Pipette, vous connaissez? Ok, il y en a qui connaissent. Okay. Là, pour le moment, je n'en ai pas. Donc, on avance. J'ai la deuxième. Je veux prendre la troisième. Remplissage. Je vais aller sur autre couleur parce que là, je n'ai pas toujours quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Cette couleur-là, je peux l'avoir en standard. Ça? Non. Comment? Ok. C'est pas grave. Ça ne nous empêche pas d'avancer. Oui, ça, je pense que c'est bon. Ça va? Ça match un peu, non? Ok. Je veux prendre le gris. Le gris est facile à trouver. Hein. Le gris, ouais, à peu près là. Et j'ajoute encore. Ça, c'est comme un bleu foncé. C'est comme un bleu. Ouais, à peu près. À peu près. À peu près. Sinon, ça. Ouais, ça va. Contrôle C, contrôle V, oui, voilà. Voilà, c'est pourquoi je ne touche pas assez à la souris. Voilà, et ça, c'est le blanc. Donc, le blanc, là, je suis obligé de lui donner de l'ombre pour qu'on puisse mieux le voir, qu'il ne soit pas confondu avec. Voilà. Excusez-moi. Ceux qui sont en cours d'enregistrement, là, je vais décrocher un appel. Là. Tu vas voir, là, il y a une parcelle du village qui est en blanc, avec une bâche verte et une carte. Oui, tu vois. Dernier moment. Dernier moment. Pour nos couleurs, c'est d'accord. J'envoie les étudiants qui ont une blanche avec un cachet. Ouais. C'est bien, c'est ça. Ok, alors pour ceux qui sont en ligne, désolé pour la perturbation de tout à l'heure. Donc on va maintenant disposer les choses. On va disposer les choses. Alors lui, il est en dessous du rouge, d'accord? Il est en dessous du rouge. Donc, je le pose là. Je vais le mettre là, comme ça. Je viens sur reculer. Voilà, il est passé derrière. Ensuite, je prends le jaune. Le jaune, il est là. En dessous de lui. Je le mets là. Je mets en dessous. Genre, je fais reculer. Là. OK. Ensuite, il y a le gris.
qui est là. Je vais le mettre ici, comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà, lui va reculer aussi. D'accord. Et j'ai ce bleu-là, qui est quelque part là. Donc, je vais monter ceci un peu là. Et ça un peu ici. Voilà. Il va rester un peu de vide au milieu pour avoir la forme qu'on veut. Donc lui, il va être en dessous du gris, mais sur le rouge. Hein? Le bleu, il est en dessous du gris, mais sur le rouge. Donc je vais... Voilà, il est passé en dessous des deux. Maintenant, je vais le faire monter un peu. Voilà, là j'ai... C'est bon là? Non? Lui, il monte. Mettre... Il est monté sur les deux. Je retravaille celui-là. Je veux le mettre... Non. Le mettre en haut. Le mettre en haut. Lui, il vient devant tout le monde. Bon, à peu près. C'est bon, vous voyez? À peu près. Voilà. Sinon, on peut prendre tout notre temps jusqu'à réussir. C'est juste un jeu de position. Dès qu'on a l'ordre logique, on aura la chose correctement faite. Donc, vous voyez que c'est les uns sur les autres, il n'y a que le rouge qui est là. Il suffit de jouer encore un jeu là, entre deux, trois éléments. Voilà. Ben, le bleu est toujours là. On va le mettre un peu en haut. Bon. On est plus ou moins pas loin de l'objectif. Voilà. Mais on peut l'atteindre. On peut atteindre la forme exacte. Donc ici, on va mettre le texte. Je vais ajouter un texte ici, dans ce cercle-là. Je fais ajouter du texte. C'est écrit quoi? ERP. C'est écrit en gris. Donc, je veux le mettre en gris comme ça. Le texte, OK. Je vais refaire. J'ai sélectionné la forme. Clic droit. J'ai pris l'option modifier le texte. Voilà. Ça me permet d'écrire à l'intérieur, en fait. Voilà. Et je veux lui donner la couleur du gris comme ça. D'accord. Et j'augmente. Je réduis un peu. Je mets en gras. Je vais le centrer. Donc, je viens ici. Alignement. Voilà. Et pas. Voilà. Avec les cercles, il a du mal à se mettre au milieu. Je peux faire autrement. Je crée une zone de texte. Je viens là, je prends une zone de texte. Une zone de texte simple. OK. Je modifie ma zone de texte. Je prends l'habillage carré. J'écris à l'intérieur ERP. Je le mets en gris. Avec du gras. J'augmente. On a appris comment mettre le contour d'une zone de texte, mais on peut aussi enlever le contour. Je peux enlever le fond de couleur. Si je sais faire un remplissage dans une zone de texte, je peux aussi faire aucun remplissage. Voilà. Voici plutôt ma zone de texte. Je ramène ça là. Là, je me rapproche beaucoup plus du résultat. Et les autres là, c'est juste des formes. Hein. Je peux aller télécharger les petites images. Je viens, je mets les symboles. C'est bon? Jusqu'à là, ça va? Est-ce que si je m'arrête là, c'est quand même compris? Oui, vas-y. Ouais. Ben, mais tu vas passer un peu du temps. Tu vas te faire juste un schéma logique dans la conception jusqu'à avoir exactement la chose. C'est bon? Est-ce que si je m'arrête là, c'est quand même assez clair pour tout le monde? Qui peut de son côté arriver à réaliser ça aussi? Ah, ben, y a des gens qui ne traînent pas. Hein? Elle est sur le téléphone. Elle est à 90% du résultat. Non, ce n'est pas la photo, c'est une conception directe. OK, c'est bien, c'est super. Donc, je sens que vous êtes avec moi.
Alors, on va aller sur un autre élément. Alors, ça, par exemple. Voilà. Touchons un peu à ça, ceci. Comment faire pour réaliser cette forme-là? De prime abord, ça, c'est quelque chose qui a été fait ou qui devrait se faire le plus facilement avec Excel. Parce que c'est un graphique. Mais Word aujourd'hui, depuis, je pense, la version 2010 ou 2012, intègre quelques fonctionnalités qui font appel à Excel. Donc, on peut le faire directement. Alors, comment je vais faire? Je vais aller sur mon nouveau fichier Word. Voilà, je vais venir sur insérer. Allez, bouge. Je vais faire insertion. Je vais insérer quoi? Un graphique. Je vais prendre graphique ici. Pas n'importe lequel, je vais prendre un secteur. D'accord? Je prends un secteur. Je prends un secteur, voilà, c'est ce qu'il me faut. OK. Fiche-moi le secteur. Voilà, voici mon secteur. Ça, c'est le début. Je ne vais pas avoir mon image. J'ai quoi comme texte? J'ai sérieux. Je vais zoomer encore un peu plus. J'ai sérieux, j'ai ponctuel, j'ai créatif et j'ai autonome. OK. C'est bon, vous avez retenu? Vous me rappelez ça. Donc, j'ai sérieux. Je vais prendre sérieux, je le mets ici. Sérieux. Après sérieux, j'ai quoi? Comment? Créatif. Ensuite, j'ai quoi? Comment? Ponctuel. Ponctuel. Ensuite, j'ai autonome. Très bien. Keren, est-ce que tu es là? Keren? Allô? Oui, je vous suis, monsieur. Très bien. Oui, monsieur, je vous suis. OK, c'est bon, ça me rassure. Merci beaucoup. Bien, j'ai ici la première forme. Suivez. Suivez. Si vous ne suivez pas, vous allez vous perdre. D'accord? Alors, je m'amuse à quoi? Quelles sont les couleurs qui correspondent à quel texte? Ici, j'ai 1,2. Si je mets 20 ici, ça donne quoi? Ah, d'accord. Ça bouge. Si je mets 10 ici, OK, il y a du mouvement. Donc, c'est lié. Très bien. Après, je veux m'amuser avec les options qui sont là. Donc, ici, j'ai des options pour paramétrer cette zone-là. Ça, c'est un filtre. Je n'en ai pas besoin. Ici, c'est un pinceau. C'est pour la mise en forme. Je n'en ai pas besoin. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la croix. Ce qui me permet d'ajouter les éléments. Donc, je clique ici. Qu'est-ce que j'ai comme élément à ajouter? Bon, désolé, hein, ma version elle est en anglais. Chez vous, ça sera en français, donc vous allez facilement vous retrouver. J'ai ici la légende qui est déjà étiquetée. La légende, c'est quoi? C'est ce qui est en bas là. Créatif, ponctuel, autonome. Donc, ça me dit qu'autonome, c'est la zone orange, jaune plutôt. Ponctuel, c'est le gris. Créatif, c'est ici. Et sérieux, il est là. Donc, si je décoche là, ça disparaît. Si je coche, ça réapparaît à droite. Je peux changer sa position en cliquant là. Je peux le mettre à gauche, je peux le mettre à droite, je peux le mettre en bas. Donc, moi, je n'en ai pas besoin. Retenons, notre objectif est là. C'est bon, ça, c'est l'objectif. Alors, le titre du graphique. Ce graphique s'appelle vente. Je n'ai pas besoin du titre. Je peux décocher. J'ai besoin que les textes sérieux, créatif, ponctuel et autonome s'affiche sur le cercle. Donc, je viens sur étiquette de données. C'est ça qui m'intéresse. Si je clique sur étiquette de données, ça me met les valeurs qui sont en haut. Maintenant, moi, j'ai besoin de voir ça au centre. OK, au centre. Mais ce n'est pas tout. J'ai besoin d'un peu plus. Je fais un clic droit sur la zone de mon dessin ici. Excusez-moi, j'ai des lampes. OK, c'est bon, ça marche. Merci. Voilà, là, j'ai les valeurs qui sont dans le cadre ici. J'ai 20, j'ai 1,4, j'ai 10. Donc, on sait que 20 ici, pour le moment, correspond à autonome. C'est bon? La valeur 20, c'est autonome. Si je la mets à 15, elle va bouger. Voilà. J'ai la valeur 1,4.
qui correspond à ponctuel. Si je la mets à 10, vous allez voir que ça va bouger. Voilà. Merci. J'ai la valeur 10 encore qui correspond à créatif. Je peux la mettre à 12. J'ai la valeur 5 qui correspond à sérieux. Donc, pour avoir les textes à la place des chiffres, il me faut faire une interversion. Je vais faire un double clic, ou plutôt un clic droit. Je veux prendre format de la zone de graphique. Voilà, ça m'affiche ici les sous-éléments pour mieux manager mon truc. Je veux m'amuser un peu à voir ce que j'ai comme élément ici. Donc là, j'attaque ce texte. Je viens ici, option d'étiquette. J'ai valeur qui est cochée. Je n'ai pas besoin des valeurs, moi j'ai besoin des noms. Je décoche valeur, je prends nom de série. Voilà. Nom de série, c'est le nom de la série, ce n'est pas ça. Moi, c'est le nom de la catégorie que je veux. Là, j'ai les textes à la place des valeurs. Autonome, créatif, ponctuel et sérieux. J'arrive petit à petit. Ils sont comment là? Ils sont blancs. Donc, je vais intervertir les couleurs. Donc, ici, là, je vais les mettre en gras pour qu'on les lise beaucoup mieux. Je vais chercher du gras ici, là. Tac, je monte. Je peux mettre ça en blanc, comme ça. Ok, je vais réduire un peu. Ok, jusqu'à là, ça semble aller bien. Qu'est-ce que je dois faire en plus? Je veux changer l'orientation. Je veux roter le truc jusqu'à voir exactement cette position-là. Donc, sérieux doit être en haut, ponctuel en bas et créatif de l'autre côté. Donc, où est sérieux? Sérieux est là. Donc, elle a une très grande valeur. Je veux augmenter sa valeur. Je vais la mettre à 20, par exemple. Voilà. Les autres, je vais descendre celui-là à 10. OK. Ça, je vais descendre à 5. Ouais, ça commence à venir. Ici, je mets à 6. C'est pas mal. Je vais faire ça. Donc, je vais faire une rotation. Je fais une rotation de l'objet. Je saisis l'objet. Je viens ici, orientation. Non, ne bouge pas. Je parle avec moi. Je vais faire une orientation angle du premier secteur. Non, je n'ai pas besoin d'angle du premier secteur. J'ai besoin de faire une rotation de tout le truc. Ça, c'est qui? Là, angle du premier secteur. Voilà, ok. Je vais aller un peu plus haut. Voilà. Il me faut mettre sérieux de l'autre côté. Hein. Donc là, je veux roter, jusqu'à avoir la portion que je veux. Je pense que je suis proche. Ok, je reviens un peu. Qu'est-ce que j'ai ici? On s'approche, non? Ok. Donc, ponctuel est plutôt à droite. Donc, à la place de ponctuel, je mets créatif. À la place de créatif, là, je vais inverser un peu, là. Ponctuel. Créatif est du côté auto. Créatif. Et là où il y a ponctuel, je mets autonome. Ok. C'est ce que j'ai constaté. Sérieux. Créatif. Mettre créative. On va voir ce que ça donne. Ok. Autonome. Ok, c'est bon. Autonome. Est-ce que vous me suivez? Si vous êtes perdu, il faut m'arrêter. Hein? Et dans tous les cas, vous allez re-suivre le truc, la vidéo. Donc, je pense que vous allez vous retrouver après. Autonome a un grand volume. Je vais le mettre à 10. Ok, tout en réduisant créatif, 5. Ouais, j'augmente un peu ponctualité. Ponctualité est quand même large. Je peux le mettre à
8. Je réduis autonome à 6. OK, c'est pas mal. Voilà, je peux encore appliquer ma rotation. OK. Je pense que là, vous avez plus ou moins l'idée qui permet d'atteindre l'objectif. Après, les textes. Donc, je veux roter ce texte-là. Je peux le déplacer. Je vais le ramener un peu plus ici. Je peux changer son angle. Il est actuellement à l'angle 0. Je peux le tourner lui aussi. Je peux le mettre comme ceci. Oups. Voilà. Je vais élargir un peu pour qu'il suffise dans son cadre. Voilà. Je vais le mettre là. Ponctuel est disposé comment? Un peu incliné par rapport à son cadre. Je veux changer son angle. Voilà. Comme ça. Voilà. Je le prends, je le ramène là. Autonome aussi. Je veux changer son angle. Voilà. Je tourne. Voilà. Je l'ai ici. Donc après, le reste, c'est juste une question de disposition et d'exactitude. Donc pour le moment, je ne travaille pas sur la précision. Je travaille pour vous montrer comment faire pour atteindre l'objectif. D'accord? Mais si on prend le temps de s'asseoir pour faire un truc nickel, on peut exactement reproduire la chose. Voilà. Donc, est-ce qu'on a quand même fait le truc? Après, les couleurs, c'est un petit truc, hein? Ici, c'est quoi? C'est du gris légèrement. Comment? Oui, les traces blanches, c'est juste les contours. Donc, je viens ici dans contour. Plutôt là. Voilà, bordure. Je fais aucun trait. J'enlève le premier. Je prends le deuxième. Voilà, je viens là. Bordure, je fais aucun trait. Voilà. C'est juste les traits. Donc, je peux changer la couleur du trait. Si je peux le faire apparaître et que c'est blanc, je peux le mettre en jaune ou en violet. Voilà. Et ça, je change juste en remplissage. Plutôt remplissage. Pas bordure, mais remplissage. Là, il est en bleu. Je peux le mettre en gris. Voilà. Celui-là, je peux le mettre en gris foncé. Il est orange, je le mets en gris foncé. Celui-là, je peux le mettre, il est jaune. Je peux le ramener sous un gris. Bon, je prends du noir. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut atteindre les résultats? Oui. Il suffit juste de savoir manipuler les options un peu cachées à gauche, à droite. C'est bon? Donc, je sais qu'il y en a parmi vous qui ne font pas ce que je fais en ce moment. Mais dès que vous aurez la vidéo, please, révisez, refaites. La vidéo est enregistrée, il y a l'image et à la voix. C'est bon? Donc, c'est un élément assez complexe à votre niveau quand même. Je viens de le faire. Alors, ici maintenant, comment faire ces traits-là? Comment faire ça et autres? Très simple. On va commencer par le trait qui est là. Je veux quand même me rassurer qu'ils sont là. Keren, tu es là? Ah, t'es arrivé? Ah, ok, bon. Je t'ai pas vu entrer là. Ok. Bon, qui est en ligne en ce moment? La personne? Ok. Donc, je peux continuer. Alors, on va faire... Ok. Donc, une fois que j'ai terminé, je peux fermer la petite fenêtre Excel là. Voilà, je peux la fermer. Voilà. J'ai atteint mon objectif. C'est bon. Voilà. Ok. Je vais dézoomer un peu. Je vais mettre ça en bas. Ok, là. Donc, on a atteint... Alors, comment faire le trait d'à côté? Ok. Très simple. Je commence toujours par insérer un trait. Donc, insérer un trait, un carré, un rectangle, c'est où? Dans les formes. Donc, je vais dans insertion, dans forme. Je veux prendre un trait, hein, un trait simple. Je prends celui-là, par exemple, line. Donc, chez moi, c'est écrit line en anglais. Je le mets là, bien droit. Rassurez-vous qu'il soit bien droit. Non, il n'est pas droit. Permettez-moi de zoomer pour mieux voir si c'est droit. Je vais zoomer. Je vais insérer.
insérer un trait. Ouais, il semble être droit, mais pas exactement droit. Il n'est pas droit. Voilà, là c'est droit. Ok, alors, je vous ai montré tout à l'heure les... Accepter qui? Probon, qu'est-ce que tu cherches, Probon? D'accord, ok. Voilà. Je vais travailler sur celui-là. Donc, j'ai sélectionné, je vais zoomer un peu plus. Je vais sur format. Lui, c'est un trait. Donc, tout ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est l'option contour. Je vais venir là, ce contour, je veux changer sa forme. L'épaisseur, je veux gonfler un peu l'épaisseur pour mieux voir. Je vais prendre là. Ensuite, je peux changer le style. Vous voyez? Je peux le prendre là. Ou là, ou là. Là, c'est déjà pas mal. Après, tout ce qu'il reste à faire, c'est quoi? C'est de l'étirer. Et puis, j'ai fini. Voilà, je l'étire jusqu'à là où je veux. C'est bon, j'ai fini. J'ai plus rien à faire. C'est bon. C'est là. C'est bon? Simple. L'autre, c'est quoi? Je veux le dupliquer, lui. Je ne veux pas créer un autre. Je le duplique. Je veux le transformer. Je veux transformer ce trait-là pour qu'il soit comme ça. D'accord? Donc, je le réduis un peu pour mieux le voir. Je le réduis pour mieux le voir. Ok, je vais l'emmener en haut. Voilà. Ok, là, il est un peu tordu, je veux le redresser. Ok, alors voici mon élément. Donc lui, c'est un trait plein. Donc je vais dans format. Je sélectionne. Je vais dans format. C'est un trait plein, donc je veux le remettre à la forme normale. Ok. Je fais un clic droit sur l'objet. Je vais sur format de la forme pour avoir le volet supplémentaire. Ici, je m'amuse à quoi? Qu'est-ce que je dois utiliser ici pour lui donner la forme que j'ai vue sur cette image-là? Il me faut lui ajouter comme des demi-cercles, enfin, comme des cercles. Des cercles en haut et en bas. Sur Word, ça va s'appeler point de départ et point d'arrivée. Donc, départ, je peux prendre une forme triangulaire, carré ou circulaire. C'est ce que je veux prendre comme objet. Départ et arrivée. Parce que toute ligne a un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est là où vous commencez la création. Et l'arrivée, c'est là où vous vous arrêtez de tirer. Donc, je le sélectionne. J'ai fait un clic droit, format de forme, pour avoir le menu de format de forme. Et ici, j'ai les différents éléments qui me permettent de faire cela. Là, j'ai type de flèche finale et initiale. Donc, si je viens ici, je viens dans initial. Je peux faire un rectangle, un triangle ou autre. Moi, je prends ça. Et après initial, je prends final. Voilà, il est là. C'est tout. Question d'option. Tac, 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 et puis c'est bon. Oui, vas-y. Le premier, oui. Il y a les espaces. Oui, mais celui-ci, c'est l'élargir. Si tu veux plus d'espace, celui-ci, c'est l'élargir. Ou de changer le format. De changer le format. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il se pourrait que ça n'y ait pas été fait sur Word. Mais tu peux juste élargir en changeant le format. Donc, si j'ai ça, je vais essayer de voir si je peux le faire depuis ici. En changeant le format, si je prends ça, c'est un peu trop large. Si je prends ça, c'est un peu trop large. Voilà. Si ça, ça ne me suffit pas, je peux aller voir dans les options ici, de distanciation. Si j'ai quelque chose qui peut suffire. Non, là, je joue sur l'épaisseur. Voilà. Si avec ça, ça ne matche pas, c'est que ça n'a pas certainement été fait sur Word. Mais ici, je vous montre les options qui permettent d'arriver à un résultat sur Word. Voilà. Donc là, j'essaie de voir dans toutes les options d'écart. S'il y a des options d'écart,
je vais les appliquer. S'il n'y a pas d'option d'écart, je ne le ferai pas ici. Alors, ligne très dégradée. Non, je n'ai pas besoin d'un trait dégradé, j'ai besoin d'un trait plein. Transparence, non, j'ai besoin qu'il soit clair. Type, voilà, c'est tout ce que j'ai comme type ici. Type de trait, non. Arrondi, plat, ben non, pas besoin. En carré, en arrondi, non, pas besoin. Non, c'est bon, c'est tout ce que je peux avoir ici. C'est bon. Après, d'autres personnes vont vous faire ça d'une manière un peu cafouillée. Vous connaissez la manière cafouillée? Ah, ce que vous avez fait. Voilà. La manière cafouillée peut vous emmener à voir exactement le résultat. Mais vous passez beaucoup de temps dessus. Beaucoup de retours à la ligne. Point, retour, point, retour, point, retour, point, retour, point. Après, vous mettez la ligne en forme. Voilà. Hein? Comment? Contrôle-C, contrôle-V. Non, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant, franchement. OK. Et ça, c'est sûr que vous l'avez fait en plusieurs étapes. Vous avez fait un trait, vous avez inséré une forme, vous l'avez réduit petit et vous l'avez rapproché et mis de la même couleur. Ça, si on bouge seulement un objet, oups, il s'éparpille. Mais ça peut marcher si vous les regroupez après. Vous pouvez faire élément par élément. Je fais un trait, je fais un petit cercle en haut, je le duplique, je l'ajuste et puis je regroupe. Ça devient un objet. Ça aussi, c'est du cafouillage, mais du cafouillage assez intelligent. Attends, par exemple, je fais. Je prends un autre. Pour être plus précis, je prends ça. C'est où là? Voilà. Je fais une forme ici. C'est pas droit. Ok, là c'est droit. On va faire ça. Comme ça. Ensuite, je prends un cercle. Là, c'est un objet à part. Il est seul. Ici, c'est un objet. On a. Maintenant, moi, je ne sais pas faire ça. OK, ce n'est pas grave. Je crée un petit cercle ici. Un tout petit cercle. Un tout petit, petit, tout petit. Voilà. Je le prends, je le ramène un peu là. Hein? Je vais pousser un peu comme ça. Est-ce qu'il s'est ajusté? Bon, ça va un peu. Je viens enlever le contour. Bon, il n'est pas trop ajusté. Je vais augmenter un tout petit peu. Ok, je vais le pousser. Franchement, ça, c'est la galère. Hein? Voilà. Après, je prends, je duplique et je l'emmène en bas. Je prends, je mets ça là. Je monte un peu. Ah, ok. Là, j'ai fini. Et là, je bouge plus, normalement. Si je bouge, ça, c'est pas cool. Maintenant, ce que je veux vous donner comme idée ici pour finaliser, sélectionnez les trois objets. Parce que là, si je déplace celui-là, les autres, c'est resté. J'ai un problème. Sélectionnez les trois objets en mettant là la touche contrôle. J'ai sélectionné les trois. Je fais un clic droit. Je prends l'option grouper. Je les groupe. Et là, ça devient un seul objet. Là, tu as moins de problèmes si je fais la correction. Tu peux quand même tromper ma vigilance si je suis pressé. Mais l'autre là, dès que je tire... Les têtes vont rester, les pieds vont rester, le corps est parti. Je dis, gars, t'as cafouillé. C'est pas bon. C'est bon? Donc, voilà ce qu'on peut avoir ici qui est très intéressant. D'accord? C'est de l'astuce. Mais ici aussi, je peux toujours savoir que tu as triché. C'est pourquoi? Si j'applique la coloration, ils ne vont pas tous se colorer au même moment. Sauf si je le fasse comme ça. Sauf si je le fais comme ça. Un, j'applique. Ok, je viens ici. Le saut de peinture est où? Voilà, j'ai le saut de peinture ici. Remplissage unique. Vous voyez, le remplissage unique m'a donné que les têtes en noir, le corps est resté bleu. Ça, c'est quelqu'un qui fait du maquillage. Or, ici, si j'applique la coloration, c'est tout qui passe. Ici, tu es obligé de le faire en deux temps. D'abord les têtes, ensuite tu attaques le corps. Voilà. Là, je peux attaquer le corps. Il va rejoindre les autres. On peut toujours atteindre le résultat qu'on veut. Il suffit juste de prendre son temps, de bidouiller un peu. Mais à la correction, je saurais que celui-là, il a triché. Mais j'en tiendrai pas trop rigueur. Hein. Si vous êtes assez astucieux, pourquoi pas? C'est bon? Donc, l'autre, ça.
Ça, c'est facile, hein? On l'a déjà fait, non? 2003, 2013, on a incliné comme ça. C'est simple. C'était l'un des premiers éléments. C'est la zone de test que j'insère. Après, je m'amuse à faire les orientations. Et puis, c'est fini. Donc, il faut finaliser ensemble. Voici la zone de texte. Donc, j'ai écrit 2003 dedans. D'accord. Je vais gonfler un peu le texte. J'enlève le contour. Je n'en ai pas besoin. Format. Vas-y, ce format. Je n'ai pas besoin du sans contour. Pour le remplissage, je n'en ai pas besoin non plus. OK. Et qu'est-ce que je fais? Je peux faire ça depuis ici, comme ça. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Et je réduis juste. Et j'ai quelque chose qui ressemble à quelque chose. J'ai quelque chose qui ressemble à quelque chose. Après, si ça bouge un peu trop, je peux changer l'habillage. Je viens sur habillage ici, je prends carré. Ici aussi, non, pas toi. Celui-là, je prends carré. Habillage, non, toi d'abord. Habillage, où est-ce qu'il est? Habillage, voilà, je prends carré, carré, carré. Je n'ai pas de carré. Je prends encadré. Hein. Celui-là aussi, je dois lui changer de format d'habillage. Habillage de texte. Je n'ai pas de carré. Bon, je prends encadré, c'est pas grave. J'espère qu'ils ne vont pas me faire des jeux. Voilà. J'atteins mon objectif. Voilà. Après, le reste, c'est une question de couleur. Après, je duplique. 2003, 2004, 2005, 2006. C'est bon jusqu'à là, ça va? C'est bon? On va avancer? Ok. Dites-moi hein, si je vais trop vite. Hein. Est-ce que je peux avancer? Keren, je peux avancer? Celle qui a le prénom compliqué là. Ça va? Au fond, c'est bon? Alors, on va aller sur l'autre image là. Je vais dézoomer ici. Non, ça c'est facile. Voilà, celui-là. Celui-là. Ça. Alors, celui-là, soit ça a été fait sur Photoshop et ça a réussi, soit ça a été fait sur Word et avec beaucoup de manips. Avec beaucoup de manips. C'est des manips que franchement, si tu suis le tuto une fois, tu vas pas te retrouver. Ici déjà, par rapport à cette photo, il y a des photos qui pourront faciliter d'avoir ce résultat, mais il y en a non. Vous voyez, j'ai une photo, une trame à peu près comme ça, qui fait peut-être, on va dire, 3 sur 1. D'accord ? Une photo qui fait 3 sur 1, 3 mètres de largeur sur 1, ou 3 cm sur 1, et la personne est à l'extrémité droite, c'est facile à gérer. Mais si j'ai la personne au milieu, c'est beaucoup de karaté. Voilà que je fasse des... Donc, on va essayer de faire ensemble pour avoir le résultat. Je vais prendre une image comme ça. On va essayer de réaliser ça. Donc, sur quoi on va commencer? On va commencer par un truc simple. Cette forme-là, vous pouvez la faire, non? La forme-là. Tout le monde peut faire ça? Tout le monde? Mais répondez quand on vous pose la question. Hein? Vous n'avez pas parlé? Vous avez faim ou bien vous êtes fatigué? Fatigué, donc on arrête le cours. Il est 12h34. Il y a encore le temps. Mais si vous êtes fatigué, je fais cours seul. Bon, asseyez-vous bien. Vous êtes affalé comme des gens qui n'ont pas encore mangé le coup le matin. Allez, asseyez-vous comme des personnes en forme, s'il vous plaît. C'est bon? Allez, on est parti. OK. Je vais créer un nouveau fichier Word. Voilà. Je commence par un truc très simple. Allez, bouge. Cette forme-là, elle est très facile à faire. Admettons que j'ai ce carré-là, comme ça. Ça. Par exemple, pour avoir ça, c'est très simple. Hein. Ça, c'est très simple.
Je le sélectionne. Je vais sur format. J'attends qu'il disparaisse. Bouge. Je vais sur format. Je viens sur modifier la forme ou modifier les points. Je clique sur modifier les points. Voilà ce que ça me donne. Je peux modifier ce point-là. Donc, je veux zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Je prends ça, je tire là. Comme ça. C'est fini. Pour ça. C'est tout. J'ai juste modifié les points. Et je change la couleur. C'est quelque chose comme ça. J'enlève le contour. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Le deuxième, il est en bas. Je duplique. Et voilà. Première partie. Terminé. Maintenant, celui qui est ici, donc la forme rectangulaire là, je vais insérer une forme rectangulaire. Voilà, c'est la seule que j'ai ici. Je vais la dessiner comme ceci. Je m'arrange à la pivoter pour qu'elle soit de l'autre côté là-bas. Donc c'est juste une question de position, de rotation ici. Je commence là, ensuite, voilà. Et là, voilà ici. Non, ça, je n'ai pas besoin de ça. Okay. Maintenant, je veux mettre une photo à l'intérieur. Je vais mettre une photo à l'intérieur. Donc, pour mettre une photo à l'intérieur, j'ai besoin d'aller sur format de forme. Comment ? Non. Alors, la différence, regardez. Si j'insère une image ici, je fais cette démo juste pour te montrer la limite de Word. En fait. Voilà. À ce niveau, Word est limité parce qu'il ne peut pas le faire. Et c'est ce que certains logiciels comme Photoshop feraient comme ça, d'un clic de doigt. Je vais aller prendre une image quelque part là. Comme ça, oui. Ok. Je pense que j'ai mis des images ici. Ça. Ok. Attends, je prends ça. Ou ça. Peu importe. Vous ne la connaissez pas. Ok. D'accord. En ce moment, cette image, elle est derrière. Hein. Vous savez comment la faire apparaître devant? Tout le monde sait le faire. Hein? On l'a fait avec les angles de texte. Là. Je vais faire avancer au premier plan. Donc, je fais avancer au premier plan. Il ne vient pas. Je prends donc ceux-là. Je les envoie derrière. Je ne casse pas la tête. Reculer. Mettre à l'arrière-plan. Je change son habillage. Voilà. Voilà. Vous voyez, ici, normalement, une fois que j'ai ça ici, si Word était assez élevé à ce niveau, je pouvais faire une incrustation. Donc l'incrustation, c'est de prendre cette image là qui est sur ce triangle bleu, là, la mettre dedans. Sauf que Word n'a pas d'option d'incrustation. Il n'a pas d'option d'incrustation. Incrustrer, mettre dedans. C'est pas grave si je connais pas le mot. Tu apprendras. Hein? À le sens, c'est mettre à l'intérieur. C'est incrusté. C'est bon? Ça marche? Ou bien c'est moi qui prononce mal? Hein? Incrusté. Et j'ai dit incrustation. C'est bon? Là, ça passe pas. Là, je peux pas. Non, il y a un C, il n'y a pas un Q. C'est un C, non? I-N-C-R-U. C'est bon? Okay. Si j'ai mal prononcé, ce n'est pas grave. J'entends beaucoup parler debout le matin. Ne me cherchez pas. Ok, allez, je veux. Là, je ne peux rien faire. C'est la limite de Word. Si j'étais sous Photoshop, facile. Je le mets à l'intérieur. Donc, je veux faire, c'est comme si je remplissais cette forme-là de la photo. Donc, la photo, je veux la considérer comme de la peinture.
Je veux remplir à l'intérieur et après je vais décaler jusqu'à avoir la forme que je veux. C'est vraiment du bidouillage. À ce niveau-là, c'est vraiment du bidouillage. Mais ce bidouillage, pour le faire, il faut connaître les options. Tu ne peux pas bidouiller ça sans connaître les options. Donc, je fais clic droit sur mon rectangle. Je vais sur format de forme. D'accord ? Format de forme, c'est pour avoir l'option supplémentaire de gestion. Je cherche l'option remplissage. Remplissage. Je vais prendre ici. Je descends ça. J'ai aucun remplissage. J'ai remplissage unique. Donc, le bleu qui est là, c'est un remplissage unique. J'ai remplissage dégradé. J'ai remplissage avec image ou texture. OK, je prends image ou texture. Ça m'intéresse. Là, il a mis la texture. Mettons, je vais aller chercher une image. Je viens ici, fichier. Clique sur fichier là. Clique sur fichier. Je vais chercher une image en question. C'est là. J'insère. Okay. Là, elle est renversée. La tête est là. C'est pas grave. Je continue de chercher. Dès que je sais que les options de rotation existent, je panique moins. Je peux m'amuser avec les rotations. Donc, ici, j'ai l'option faire pivoter avec la forme qui est cochée. Si je décoche, ah, d'accord, la tête est revenue au bon endroit. Maintenant, je vais essayer de décaler. J'ai les options de décalage ici. Décaler vers la gauche, décaler vers la droite, décaler vers le devant. Donc, si je m'amuse un peu à décaler vers la droite, non, c'est mieux que j'aille vers la gauche. Là, je fais décalage vers la droite, je reviens à zéro. Si je faisais décaler vers le haut, OK, décaler vers la gauche. Non. Je veux faire décaler vers la droite. Non. Là, ça rétrécit la photo. Je ne suis pas trop dans l'objectif à atteindre. Je vais remettre les compteurs à zéro. Compteur à zéro, compteur à zéro, compteur à zéro. OK, je viens là. Correction d'image. OK, je vais chercher le rond de l'image. Avec le rond de l'image, je peux prendre la position du rognage, position de l'image. Si je pivote là, non. Non. OK. Mais c'est pas trop ça, mais c'est un peu ça. Je vais... Je décale avec la CSX. OK, j'ai trouvé ce qu'il me faut. Donc, je peux revenir ici. Tac, 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 tac. Je veux réduire un peu là. Je remonte ici. Décaler sur l'axe des Y. Je ramène ça un peu plus bas. Voilà. Donc, si c'était une image avec un fond, okay, genre le mur ou des fleurs, j'allais avoir. C'est là, c'est une photo avec un, voilà, avec un fond du mur. Voilà. Donc, jusqu'à ce que je fais, c'est vraiment du bidouillage. Et ce bidouillage montre simplement que Word a des limites. Il y a des figures, il y a des formes que Word ne peut pas réaliser. Tu es obligé de tripoter un peu, mais après, tu n'atteins pas. Donc ça, sous Photoshop, c'est très facilement réalisable comme ça. Maintenant, il y a un dernier élément que je vais vous montrer. Vous voyez la forme rectangulaire qui est là, hein, ça, ceci. C'est comme si c'était un peu transparent par rapport à l'image qui est derrière. On voit quand même un peu l'image apparaître. Voilà. Vous pouvez créer une forme et la rendre un peu transparente. Il suffit juste de baisser la valeur de la transparence et ça peut laisser voir un objet qui est derrière. Ça, ce n'est pas difficile à faire. On peut le réaliser là, par exemple. Je vais m'amuser à prendre une autre forme là. Je prends n'importe quoi. Je prends ça là, par exemple. Je veux juste changer. Oh non, pas ça. Voilà. J'ai besoin que je le mette là. Je peux le rendre transparent. Donc, transparent, je vais dans format de forme. Pardon. Vous voyez là, on écrit transparence. Il suffit que je. Vous sentez? Voilà. Je peux le rendre transparent.
Donc, en gros, il y avait ces options-là qui pouvaient paraître un peu complexes à faire. Mais après, on peut toujours arriver à avoir quand même le résultat qu'on veut d'une certaine manière. Donc, voici ici, j'ai touché quelques points qui étaient un peu compliqués pour certains par rapport à la dernière séance. S'il y a d'autres points sur d'autres images, sur des figures à réaliser qui étaient compliquées, à vous de me dire. Donc, revenons sur... Pas ça. Oups. Excusez-moi, je suis d'accord. Allô? Ok. Si vous pouvez juste vous amuser un peu, est-ce qu'en 13 minutes, vous essayez de faire un contrat? Essayez de voir. C'est pas les ordinateurs. Combien on a? Bon, travaillez avec lui. Je veux que tous puissent travailler avec lui jusqu'à réaliser ce qu'il a. En 13 minutes, faites le tour de la table. C'est bon? Donc, l'idée principalement là-bas, vous pouvez travailler avec lui en parlant de ce si vous avez une idée qui peut aller rapidement, Ok, un instant, je vais couper l'enregistrement. Ok, je peux mettre fin.